Ça va? Bah dis donc, t'es en pleine séance de travail, c'est ça? Oui, je suis en train de filmer Wendy pour mon site en sac à la TV pour le booty shake. Le booty shake? Ouais, elle me fait une petite démo. D'accord. On va tomber au bon moment en fait. Ah bah dis donc, j'ai bien fait d'arriver. Ah oui! Ah oui, c'est un booty qui shake beaucoup. C'est ça. Dis donc, et là on est chez toi donc, c'est ça? Alors ici c'est dans une garçonnière que tu t'es inventée. C'est le donjon boudoir. Ouais. On va arrêter, on va... Ouais. Ici, c'est mon donjon boudoir, en fait. Ouais. C'est donc, c'est une salle assez... j'ai une salle un peu plus... Là, c'est la salle soft. Ouais. Donc, pour prendre le thé, entre parenthèses. Mais on peut pas que prendre le thé, quand même. Non. Non, oui, c'est ça. Et à côté, c'est pour passer aux choses sérieuses dans tout ce qui est SM et fétiche. D'accord, donc, okay, je vais te montrer ça, j'ai hâte de voir ça. Mais juste avant, donc, la Web TV, c'est quoi? C'est une nouvelle carrière de businesswoman qui s'ouvre à toi maintenant, c'est ça? Oui, c'est j'ai envie de passer un peu de l'autre côté, donc c'est-à-dire ne plus vraiment apparaître, parce que sur la Web TV, je fais encore des interviews, ouais, des people, et le dernier que j'ai fait, c'était Jean-Pierre Mocky. Ouais. Et donc c'est vraiment le seul moment dans lequel je veux apparaître, je veux laisser la place aux autres et me mettre plus en retrait, donc derrière la caméra. Et donc de moins en moins actrice et de plus en plus réalisatrice. C'est ça. Bon, t'as quand même la tenue en même temps de plus d'actrice que de réalisatrice aujourd'hui. Alors les réalisatrices sont comme ça? Je savais pas que les réalisatrices tournaient comme ça. Comment ça s'appelle d'ailleurs ces bottes qui remontent jusqu'en haut? C'est un des nom. Des cuissardes. Ah, des cuissardes, voilà, ouais, c'est cuissardes ça. Cuissardes en... Cloutées. Oui, cloutées, oui. Pour la finition. Ouais. Ah oui, c'est ça, les cuissardes. C'est, bah oui, forcément. Bah, tu veux que je les prête? Bah écoute, ouais, je suis pas sûr qu'elle m'irait aussi bien qu'à toi, mais c'est tentant. Montre-moi plutôt le donjon, je veux que tu montres le D'accord, donjon. D'accord, voilà, on va y aller. C'est quoi cette chose-là, là? Alors ça, c'est le fauteuil des aisances. Je pense qu'il y a un trou au milieu, c'est ça, c'est je supposais, oui. Pour tous ceux qui veulent être soit enfermés, qui ont envie d'avoir une petite contrainte, je dirais, assez dure. Ouais. Donc, ou alors, bah, pour tous ceux qui aiment aussi champagne ou caviar, mais caviar, je ne sais pas. Que champagne. D'accord, très bien. Bon. Ça, c'est quoi cette croix avec... C'est la croix de Saint-André, et où j'ai accroché un peu tous mes objets. C'est comment vous faire? D'accord. Voilà, parce que donc la j'ai plupart, fouet, voilà. Ouais, parce que quand avec les soumis, il n'y a pas du tout de relation sexuelle, pas d'attouchement. Et donc en fait, ils amènent chacun les objets avec lesquels ils ont envie d'être fouettés ou autre. Et ce trip SM, tu l'as commencé quand? Oh, jeune. Jeune. C'est assez jeune. Moi, déjà à l'âge de 18 ans, je fréquentais les soirées fétiches à Paris. Ah yes. Et donc j'étais pure gothique, donc rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Ah, tu m'étonnes. Mais en fait, gothique et black, ça existe. Justement, à l'époque où j'étais gothique, on était deux blancs. Mais oui, c'est ça, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. C'était assez bizarre. Tu veux essayer mon petit carcan? Je ne sais pas si j'aurais raison d'essayer cette petite chose-là. Ça doit faire très mal, non? Non, ça dépend. Qu'est-ce que tu mets où, là, raconte-moi? Alors là, c'est le carcan, la barre d'entrave. Ouais. La barre d'espacement pour les pieds. Et en fait, donc la tête va là, les mains vont là. Donc en fait, ça, c'est un carcan qui a été imaginé par la forge Charron. Ouais. Donc c'est juste Charron, ça. C'est un forgeron. Ouais. Et donc, il a, en fait, le petit plus qu'il a rajouté, c'est qu'on peut vraiment bloquer au niveau des mains avec avec juste là. D'accord. Là. Ah oui. Au niveau de la tête aussi. Hein. Ah yes. Donc c'est vraiment pour ceux qui adorent la contrainte. Oui, là tu morfles un peu quand même. Non, pas spécialement. Non. Je peux... Mais disons que tu bouges plus, quoi. Voilà. T'es immobilisé. Complètement immobilisé. Voilà.